Parfait pour un remède traditionnel. Il a construit tout ça. Tout seul. Tellement seul. Ce n'est plus chez moi. Pas sans Rost. Il n'y a plus rien pour moi par ici.
les environs. Ce brave. Il a l'air de souffrir. Oui. Il va bientôt s'endormir pour l'éternité. J'ai déjà vu des gens mourir, mais dans de telles souffrances. Je voudrais être forte comme toi, mais je n'arrive pas à le soulager. Je n'ai même pas de Soul Reaver pour atténuer la douleur. Il doit y en avoir dans les cachettes sur les sentiers des Braves de l'Est, mais je dois rester auprès de lui. Tu voudrais bien aller fouiller ces cachettes? Même un peu de Soul Reaver lui ferait du bien. Tu as dit que tu voulais être forte comme moi. J'imagine que tu sais qui je suis. Oui. Beaucoup de gens ne voulaient pas que tu viennes à l'éclosion. Mais sans toi, tout le monde serait mort. Ça prouve notre ignorance. La tribu a été sauvée par celle qu'elle avait toujours rejetée. J'aimerais pouvoir t'emprunter un peu de courage. Pour lui. Pourquoi emprunter ce que tu as déjà en toi? C'est gentil. Comment l'homme que tu veilles a-t-il été blessé? Il était dans le groupe de guerriers. Il a été blessé au combat sur la crête. Il était trop faible pour être amené au cœur de la mer. Ils l'ont amené ici. Je suis censée le réconforter, mais je ne fais que chuchoter. Je lui dis de penser au sourire de sa mère. Est-ce que tu as vu l'embuscade d'ici? Je l'ai entendu. Des explosions, des cris et les grondements des machines, tels des monstres. C'est ça qui le hante dans sa douleur. Des machines de cauchemar qui déchiquetaient tout le monde. Je voudrais l'apaiser. L'aider à oublier tout ça, et à rejoindre la toute mère en paix. Redis-moi ce qu'il te faut. Du Soul Reaver. Une huile faite à partir d'écorce d'onde Soul. Elle fait dormir et soulage la douleur. Il ne m'en reste plus. Mais les chasseurs en ont caché sur les sentiers des Braves, à l'abri des bêtes et des machines. Il doit en rester dans les cachettes sur les sentiers de l'Est. Tu es jeune pour une soigneuse, non? Oui. Je suis encore novice. Tous les soigneurs chevronnés sont au cœur de la mer. Et puis, cet homme n'a plus besoin de soins. Simplement de quelqu'un à ses côtés. Et ça, je peux le faire. Je fouillerai les cachettes de Soul Reaver si je les trouve. C'est vrai? Merci. Mon seul souhait est d'apaiser les souffrances de cet homme. Souviens-toi d'elle. Tu es Aloy, n'est-ce pas? Tout le monde parle de ta victoire au deuil du démon. Je suis honoré de me trouver face à toi. Je ne suis pas si exceptionnelle. Pour qui priais-tu? Pour ma sœur Nakoa. Elle est partie au nord pour trouver un officier Karja du nom de Zaïd, un des capitaines des Raides Rouges. Je suis inquiet pour elle.
Les matriarches ont vraiment autorisé Nakoa à partir ? Non. Elles ont refusé. Mais rien n'aurait pu l'empêcher de partir traquer Zaïd. Il a tué notre père pendant les raids rouges. Nakoa a tout vu. Cachée dans la cave, elle s'est forcée à regarder. Ça l'a transformée. Je vivais dans l'étreinte pendant les raids rouges. C'était comment ici ? Pendant 10 ans, les Karja ont lancé des attaques surprises. Des barbares comme Zaïd massacraient les braves et enlevaient nos citoyens pour les sacrifier. L'horreur a cessé à la mort du roi Soleil Dément. Les matriarches disent que son fils veut racheter ses méfaits. Mais Nakoa voulait se venger. Tu aurais pu l'accompagner ? Quitter les terres sacrées et être exclu de la mémoire éternelle de la Toute-Mère ? Non. J'ai supplié Nakoa de rester pour lui épargner ce sort. Elle a dit qu'elle s'en fichait. Je me demande, sera-t-elle vraiment maudite pour avoir vengé notre père ? Ça semble cruel. Je vais essayer de la retrouver. La Toute-Mère te bénisse. Je sais que les matriarches ne la laisseront pas revenir dans les terres sacrées. Mais je veux au moins savoir qu'elle est en vie. Elle a dû passer par la couronne de la mer. Ma tante Soleil y habite. Elles se sont peut-être vues. Tu devrais aller lui parler. Oh, Toute-Mère, entends ma prière. Je m'incline devant toi, humble et fidèle. J'implore ta puissance et ta compréhension. Peux-tu voir au-delà de ton domaine sacré ? Je dérape un peu. Elle a vraiment plus l'air d'une paria, ça, c'est sûr.
elles étaient corrompues. Pousse les machines à attaquer. Je n'ai jamais rien. Le cœur de la mer. Tout a l'air si vide maintenant. Tous ceux qu'ils pouvaient sont allés dans la montagne. Les machines sont incontrôlables. Seule la déesse peut nous sauver. Sauvez-nous. Toute mère, n'oubliez pas ceux qui sont tombés à cause de la corruption et des massacres. Ayez pitié de nous. Nous combattrons la corruption jusqu'à notre dernier souffle. Oh, j'en ai bien peur. Pas.
Ça doit être la couronne de la mer. Solai ne devrait pas être loin. Je l'ai bien cherché. J'aurais dû sortir de là vite fait. Chef Sona, tu as décidé de renforcer les défenses ? Si la tribu doit affronter une autre attaque du démon de métal, nous devons être préparés. Mais bon, ça ne te concerne pas, tu n'es pas sous mes ordres. Mais ça ne m'empêche pas de vous aider. Très bien. Il nous faut des cornes filantes. Elles font de la givre-lymphe, et nous avons aussi besoin de leurs lentilles. J'ai déjà tué des cornes filantes. Je dois avoir les pièces qu'il te faut. Je ne suis pas surprise. Et je te remercie. Il faut aussi que les tours de guet aient des réserves de flèches d'alerte. Apporte celle-ci à la tour d'Orne au sud. Si tu veux bien. Que la toute mère me pardonne. Je l'avais mal jugée. Tu es Solai ? Yann m'a dit que ta nièce était peut-être venue, Nakoa. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Écoute, je veux vous aider. Je suis une chercheuse, je vais au nord. Yann m'a demandé de la retrouver. Ce que tu diras restera entre nous. Je lui ai donné des vivres pour son voyage. Elle allait au rempart vers le nord pour chercher Zaïd. Je n'ai pas réussi à l'en dissuader. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur le rempart ? C'est une forteresse Karja, à la frontière. C'est là que ces barbares parquaient les prisonniers Nora, avant de les envoyer et de les sacrifier à Méridian. J'ai voulu empêcher Nakoa d'y aller. Trop dangereux pour une Nora seule. Mais elle était décidée. Elle ne vit que pour retrouver ce Zaïd. Qu'est-ce que tu sais de Zaïd ? C'est une bête enragée, un assassin. Le pire chef des Raids Rouges. Il a abattu mon frère sous les yeux de Nakoa caché dans l'ombre. Je l'ai supplié de ne pas y aller. Mais une partie de moi la soutient. Moi aussi je souhaite la mort de Zaïd. Tu ne peux pas t'imaginer ma souffrance. Il a mutilé mon frère. Mais il est toujours libre de ses faits et gestes. Si, je comprends. Plus que tu ne le crois. Je chercherai Nakoa quand je serai au rempart. Elle ne pourra pas revenir. Les matriarches ne le permettront pas. Mais je te serais reconnaissante si tu pouvais la trouver et l'aider si nécessaire. Et surtout, n'en parle à personne. D'accord. C'est promis.
J'en aurai sûrement besoin. Je pousse les machines à attaquer. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Craquer les jointures de mon corps. Il paraît que mon ancien village vient de renforcer ses murailles. Ça devait être un sacré chantier. Elle a été accompagnée de ses meilleurs soldats quand elle a été tuée. Peut-être qu'on a sous-estimé les Karja de l'ombre. Ils marchent sur la tête. Chez les Karja, les plus sympathiques et les plus travailleurs sont...